Ouais. Ouais, ça fait gros ça. J'aime beaucoup la musique de Petit Pays. C'est un artiste camerounais que j'aime bien, ouais. Hein. Bon, écoutez, tout à l'heure, j'ai une de mes grandes sœurs qui m'a envoyé la vidéo de Okumba, Wilfried Kamitatu, l'homme qui a reçu 5 000 euros pour acheter le billet d'avion pour aller au Gabon. J'ai écouté l'audio, parce que j'aime bien écouter ce que les gens disent aussi. Ouais. Ce problème-là de Ramon Kota a pris une autre proportion, et c'est important pour nous d'être responsables. Donc j'ai écouté sa vidéo dans laquelle, apparemment, il ne veut pas jeter, entre parenthèses, l'anathème sur le président Oligui. Je peux comprendre, ça, son point de vue, puisqu'il a reçu 5 000 euros, il a vu Oligui, ils ont fait les photos ensemble, bisous, bisous. Donc je peux comprendre qu'il essaye de vouloir un peu mettre de l'eau dans son vin. Mais on doit être honnête et je pense que on doit être véridique. Et je n'aime pas ce genre de comportement. Parce qu'à un moment donné, on doit éviter d'être hypocrite. On ne peut pas passer toute notre vie à accuser les collaborateurs d'Oligui et ne jamais vouloir lui faire prendre la responsabilité des collaborateurs que lui-même il a nommés. Ça suffit. Ça suffit de nous en prendre au Laurence Don, de nous en prendre au Maïs Moussi, de nous en prendre aux gens qui nomment. C'est qui nomme les gens-là? C'est lui-même qui les nomme. On a un problème grave avec nos frères du Cameroun. Si le président Oligui se reconnaît comme non coupable de ce qui s'est passé, qu'il sanctionne les personnes qui ont fait mal. Son ministre de la Justice, le monsieur en charge de l'immigration, qu'il sévisse, qu'il communique. Mais chez nous, on dit que, et même chez les Blancs, on dit que qui ne dit rien consent. Donc, l'époque là est révolue où on va continuer à jouer à ce petit jeu, où on va se défouler sur les ministres, les collaborateurs, et lui-même, on le laisse de côté comme s'il avait une quelconque immunité contre la critique. Je pense que depuis 10 mois, les gens ont essayé de l'avertir que tu as des collaborateurs incompétents. Tu as des collaborateurs qui ne foutent rien. Mais aujourd'hui, là, devant Dieu, on ne peut plus accuser les collaborateurs seulement. On doit reconnaître que c'est lui qui nomme ses collaborateurs, donc c'est lui le problème. Ça devient injuste de taper, taper, taper sur les gens qu'il a nommés, alors que c'est lui qui, en un clin d'œil, avec une signature, enlève tous ces gens-là de l'équation. Donc, je comprends hein, que quand on essaye de maintenir un climat d'apaisement avec son président, des bons rapports de frangins, de frangines, on doit délibérément taper sur l'entourage et ne pas taper sur lui. Mais si on l'aime vraiment, si on veut sa réussite,
si on veut qu'il puisse être un vrai président pour le peuple bantou de ce pays, on doit être d'accord de dire à Oligui, les yeux dans les yeux, que Oligui, tu fais mal. Oligui, sur le cas de Ramon Kota, tu es responsable et tu es potentiellement coupable. Parce que c'est clair que si aucune tête ne tombe, s'il n'y a pas de communication, c'est que tu es d'accord avec ça, tu as signé dessus. Donc les Camerounais ont raison de t'accuser, de te maudire, de t'insulter, parce qu'à la fin de la journée, tu es président du Gabon. Mais tu ne l'es pas. Moi, je ne suis pas en charge de ce foutu pays. Mes potes non plus. C'est toi qui es président. C'est toi qui nommes les gens. C'est toi qui as la signature sur décret présidentiel. Tu nommes tel, tu nommes tel, tu nommes tel. Qui a ce pouvoir au Gabon à part toi? N'est-ce pas, non? Donc, quand ça ne va pas, tu dois assumer, papa. Tu es le responsable de ce pays et potentiellement le coupable du désordre. Soit tu consens à l'idiotie. Quand tes ministres jouent au con, tu ne dis rien. À la fin, on va arrêter de parler de tes ministres. C'est toi le problème. Parce que personne n'a pris un fusil pour le mettre sur ta tempe pour dire que nomme-moi. Tu as accepté de nommer les gens de ton propre chef. Et si ces gens-là se comportent mal et que tu les maintiens là où ils sont, c'est que tu aimes leur travail. Tu apprécies leur incompétence, tu apprécies leur médiocrité. Donc pourquoi est-ce que les Gabonais normaux qui ont un cerveau vont dépenser leur énergie sous ton entourage? C'est toi le foutu problème. On ne va pas faire l'hypocrisie. On va arrêter de blaguer avec nous-mêmes, de vouloir faire comme si non, le pauvre, c'est une victime, c'est l'entourage. Les gens qui sont au Cameroun n'ont pas le temps de comprendre les détails pour dire que bon, au Gabon, il y a un ministre, au Gabon, il a un. Ils savent qu'il est en charge, il est président, leur frère a été déporté, leur frère est torturé, il doit assumer. Terminé. Les gens n'ont pas le temps d'aller dans tout le mapan là, fouiller, papa. Tu es président du Gabon ou tu ne l'es pas. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle être responsable. Donc on ne doit pas t'enlever ta responsabilité de chef. Tu es le chef, tu dois assumer. C'est tout. Demain, si le Gabon va au JO et que les Gabonais gagnent des médailles d'or, n'est-ce pas, tu seras content de dire que c'est ton pays qui a gagné. On va dire que le pays d'Oligui, les gens, les médailles d'or. Donc les leaders de nos jours, hein, les leaders veulent la gloire, mais ils ne veulent pas les problèmes qui viennent avec la gloire. Quand c'est bon, ils sont pressés à dire que oui, c'est mon pays. Quand c'est pas bon maintenant, ils ne disent rien, ils se cachent, ils se taisent. Et ils veulent que nous, on vienne parler de leurs collaborateurs. Papa, il n'y a rien à faire. Tu es un leader, tu assumes. C'est tout. Quand c'est bon, ça te glorifie. Quand c'est pas bon, ça te coule. Et là, maintenant, ça te coule. C'est tout, terminé. On va pas aller publier la liste de tes ministres au Camerounais. Il faut qu'on se respecte. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour voir qui tu nommes à quoi, qui est le policier, qui est le machin. Ils n'ont pas le temps. Je pense que pour eux, c'est déjà suffisant, largement, qu'on leur donne un nom. Le nom, là, c'est Oligui Nguema. Il est en charge. C'est lui le responsable. Tous les détails, là, ils n'ont pas le temps dedans. Donc, on ne va pas aller les éduquer, aller leur dire que, écoutez, au lieu de faire vos vidéos contre Oligui, faites les vidéos contre Laurence Don, parce qu'elle est mise là. Allez faire les vidéos contre Manfumbi. Et puis quoi encore? Hein? Gabon est égal Oligui. Oligui est égal Gabon. Quand c'est doux là, on a célébré. Maintenant, quand c'est pas doux, il faut aussi assumer. Il faut pas se défiler. Voilà. Donc, moi, je pense que si ton frère Wilfried t'aime bien, il doit avoir le courage de dire que tu es en charge, agis comme un responsable. C'est tout. Terminé. Tu ne te reconnais pas comme étant coupable de cette action. Tu sévis publiquement, tu communiques dessus. Tu ne dis rien. Les Camerounais et tous les Africains ont le droit et même le devoir de t'insulter, de te maudire pour ce que tu as fait pour leurs frères panafricains. Point barre. C'est comme ça la vie. Terminé. C'est comme ça. Dans toute fonction, il y a des bénéfices et des inconvénients. Les bénéfices, c'est quand tout va bien. Inconvénient, c'est quand ça ne va pas. Il faut assumer. Terminé. C'est comme un enfant, par exemple. Tu es père de famille. Hein? L'enfant t'appelle, on dit que l'enfant, à l'école, a les meilleures notes. Il est premier de la classe, il saute les classes. Tu es fier, non? Tu tapes sur la poitrine que mon fils est intelligent. Ok. Maintenant, on t'appelle encore un jour pour dire que ton fils, là, oui, il est parti braquer une banque. Il a volé la banque. Tu vas nier ton fils pour dire que non, je ne suis pas le père. Non. L'enfant est mineur. C'est toi le papa. Hein? L'enfant a fait le mal, tu assumes. L'enfant a fait le bien, tu assumes aussi. Ou bien tu es souvent le père de ton enfant quand ton enfant se comporte bien. Et quand il se comporte mal, tu n'es plus son père.
C'est qui son père maintenant? C'est qui son papa? Hein? Dis-moi un peu. Qui a mis les gens là au gouvernement? Qui a nommé toute la bande là? Qui les a pris de là où ils étaient là-bas, au fin fond de la France, partout dans les mapanes pour les mettre là-bas à tes côtés? Eux-mêmes, ils se sont nommés eux-mêmes? Je ne comprends pas. Ils se sont nommés eux-mêmes pour être là, pour jouer aux imbéciles au gouvernement? C'est toi qui les as recrutés. Donc tu dois assumer leur connerie. C'est tout. Hein? J'encourage tout le monde à arrêter l'hypocrisie. C'est fini. Il n'y a plus de grâce à donner à Oligui. C'est lui le problème, un point, un trait. Lundi, le juge va décréter quelle sera la sentence ou bien quelle sera la décision prise sur le cas de mon frère. Je n'ai rien à foutre du juge. À la fin de la journée, quand elle va parler, pour moi, c'est Oligui qui a parlé. Terminé. Donc, si elle dit condamné, je ne cherche pas à comprendre, c'est lui qui a condamné. Un point, un trait. Il est en charge du Gabon, il est en charge du ministre de la Justice, qui est en charge des juges et des magistrats. À la fin, là, quand ça déconne en bas, on ne va plus perdre le temps à chercher qui est au milieu. On va directement à la source du problème, celui qui nomme tout le monde dans ce foutu pays, il est le coupable. Un point, un trait. On n'a plus le temps de faire l'hypocrisie, d'avoir pitié, de dire que non, c'est les... arrête. Hein? On l'a vu parler. Il est parti à Franceville, il a parlé. Il est parti à Tshibanga, il a parlé. On l'a même vu courir. Il peut même courir. Hein? On sait qu'il parle, on sait qu'il entend, on sait qu'il écrit. C'est pas un con. Ce n'est pas un bébé, bon sang. Il est le leader, il n'est pas le foutu leader. Donc quand ça ne va pas, on n'a plus le temps à perdre avec les boucs émissaires. Tu es coupable, tu es responsable, c'est ton devoir de leader. Point barre. On ne fera pas les lives pour dire que la juge a mal dit le droit, la juge a déconné. On comprend que ça la dépasse. Quand elle vient parler, on sait que c'est toi qui as dit. Et si tu ne l'as pas dit, viens la contredire. Tu ne la contredis pas, c'est que tu es d'accord et tu assumeras les conséquences. De tout ce qui se passe au Gabon maintenant, il n'est plus question d'accuser ton entourage. C'est toi le foutu problème. C'est toi le responsable principal de tout le désordre là. Je dis bien tout le désordre. C'est toi le problème. Personne ne s'est nommé lui-même. Personne ne t'a obligé à les nommer. Personne. Tu as fait tes propres décisions, tes propres choix. Donc arrêtons de perdre le temps avec l'entourage. Aujourd'hui, c'est toi qui es coupable. C'est toi qui es responsable. Ce sont tes éléments, tes nominations, ton décret, ta signature. Assume. C'est tout. Terminé. Donc, ce que Wilfried veut faire là, il perd son temps. En tout cas, chez les Camerounais, ça ne marchera pas. On aura beau s'asseoir, faire des longues vidéos pour leur dire que non, en fait, c'est tel général, l'ambassadrice, ils n'ont rien à foutre de tout ça. Ils savent que dans ce pays, il y a eu un coup de liberté, donc il y a eu un libérateur. Le libérateur, il est en charge. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien, il est d'accord, il consent, c'est tranquille, on avance, celui qui est coupable. Terminé. Vous comprenez, hein? Voici comment vous devez apprendre la chose. N'est-ce pas, non? Pour tout problème qui est médiatisé, qui, à la rigueur même, sort des frontières du Gabon, toute décision qui est rendue par sa hiérarchie sont des décisions que vous devez lui attribuer à lui, parce qu'on doit le rendre responsable. Il ne va pas seulement être président des Gabonais quand tout va bien. Il va être président tous les jours, quand il pleut comme quand il fait beau. C'est comme ça la vie. N'est-ce pas, non? C'est un peu comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand c'est beau, tout le monde est content. Quand c'est mauvais, tout le monde fuit. On doit le tenir responsable. Il ne doit pas se défiler. Tu as voulu être président, tu dois assumer ton rôle de président. Tu assumes. Voilà. Le Gabon a déconné, c'est toi le Gabon. Tu assumes. Terminé. On ne va pas donner aux gens des cibles pour dire, allez, tirez dessus. C'est toi la cible. Donc, leur colère, leur haine, leur malédiction, leurs pleurs, leurs souffrances doivent être dirigées sur toi et toi uniquement. On ne va pas les diriger ailleurs pour dire que attaquer la ministre, attaquer telle, attaquer le commandant, le policier qui a fait ça. On ne les voit même pas. Tu vois la photo de Ramon, il est là debout. Il y a deux policiers à côté de lui. On ne veut même pas savoir comment il s'appelle. On ne veut même pas savoir qui a pris la voiture, qui l'a amené au Cameroun. On s'en fout de tout ça. On sait juste que dans le pays d'Oligui, l'homme l'a été déporté. Jusqu'à présent, Oligui ne dit rien, qui ne dit rien, consent, c'est lui le problème. Maintenant, comment il veut régler le problème?
il est libre de faire ce qu'il veut. Pour nous, c'est évident que si tu as des gens incompétents qui font n'importe quoi là parce que je rejoins Wilfried, hein, tu dois les renvoyer. Mais si tu penses qu'il y a d'autres solutions à part le renvoi de tes chiens et tes chiennes que Tom t'a mis là à tes côtés, il y a d'autres solutions pour pouvoir sortir le pays de la médiocrité et arranger le problème qu'on a avec les frères camerounais, mais vas-y, fais-le. On ne demande qu'à voir. Comment tu peux continuer à garder des idiots à tes côtés et amener le pays vers l'essor et la félicité? Peut-être que c'est possible. Nous ne sommes pas quand même des dieux. Tu vois, nous, on donne notre point de vue. On dit que tout commence avec le casting. Mais si tu penses que tu peux faire ça avec ton casting, prouve-le-nous. Mais il n'est pas question que les gens dépensent leur énergie avec ton entourage. On est fatigué. Tes procureurs, tes ministres, tes députés, c'est pas là-bas que nous, on va mettre l'énergie. On met l'énergie sur toi. Parce que c'est toi qui nommes au pays. Si c'était un système où les Gabonais votent les ministres, les Gabonais désignent leur leader, hein, leur secrétaire d'État, etc., on aurait pu comprendre. Mais dans la mesure où c'est toi qui as le bic rouge, qui signe les décrets, là. C'est toi qui fais et qui défais, là. Quand ça ne va pas, on va toujours maintenant pointer sur toi. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Donc, ceux qui essayent de te blanchir, ils perdent leur temps. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le jour que tu atterris à Paris, si tu vois une foule de Camerounais qui veut ta peau, tu sauras d'où ça vient. C'est tout. Tu sauras d'où ça vient. Tu ne vas pas dire que non, qu'est-ce qui se passe, machin. Non. Vous comprenez? Le leadership s'assume. Le leadership s'assume. C'est comme ça. Si tu as des enfants qui sont des petits sauvages, tu manques à leur éducation. S'ils vont dehors et qu'ils brûlent un bâtiment, tu ne vas pas dire que non, je n'y suis pour rien. Tu assumes en tant que père. Tu dis bon, c'est de ma faute. Je n'ai pas été correct, je ne les ai pas bien élevés, ils ont fait n'importe quoi. Ils sont encore mineurs, j'assume. C'est comme ça la vie, papa. Parce qu'ils n'ont pas voulu naître. Tu les as mis au monde. Peut-être que beaucoup d'entre eux aujourd'hui auraient fait la pêche, ou bien ils allaient faire autre chose dans leur vie. Mais tu as tenu absolument à les mettre à tes côtés. Mais il faut assumer leurs conneries. Il faut assumer. C'est terminé. Soit tu les punis, soit tu te débrouilles. C'est ta responsabilité. Tu n'as pas consulté les Gabonais quand tu as fait tes nominations. Tu n'as pas dit aux Gabonais que faites un référendum et donnez-moi la liste des civils que je vais nommer pour amener le pays dans l'essor de la félicité. Toi-même, seul dans ta chambre, avec ton petit bloc, non, tu t'es assis, tu as commencé à faire ta sélection sportive. Ok. Maintenant, amène ça jusqu'au bout. Assume tes choix. Et que personne ne vienne te blanchir. Tu n'es pas à être blanchi. Tu dois assumer, papa. Président, c'est pas ça. Il faut assumer. Assume tes choix. Mais les gars, j'ai mal parlé. C'est non, mais c'est pas ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, on va pas rentrer en guerre avec nos éléments, même si on sait que beaucoup d'entre eux sont des incompétents, mais ça, c'est de leur faute. Tu comprends? Si quelqu'un a jugé bon de les mettre à ses côtés, est-ce qu'eux aussi pouvaient refuser? On sait que beaucoup de gens ne peuvent pas refuser la part du gain pour dire que viens, machin. Beaucoup de gens... Ouais, en fait, c'est comme si on tape sur les handicapés, quoi. C'est que... On les gifle, mais c'est même pas eux le problème. Le problème vient d'ailleurs. Le problème vient de celui qui les a mis là. Celui qui les a mis en charge. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu viens à l'école. Tu rentres dans une école. Tu vois le professeur ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Tu te fâches avec le professeur. Mais pourquoi tu fais ça? Les élèves sont bêtes. Tu sais pas. Mais attends, qui t'a engagé? Oh, c'est le directeur qui m'a engagé. Ok. Donc, on comprend que quand on te propose un boulot, naturellement, tu vas pas dire non. Tu as une famille à nourrir. Tu vois un peu, hein? Voilà, tu n'as pas la présence d'esprit pour dire que non, machin, tu es limité. Bon, on comprend. Pendant 10 ans, 20 ans, tu as été opposant, tu nous foutais rien dans ta vie. Bon, finalement, on t'appelle pour dire que viens être ministre. Est-ce que tu vas refuser? Quand tu es un Gabonais lambda, hein, un gars du quartier, tu dis ok, d'accord, moi aussi je prends ma part. On arrive là-bas, ça te dépasse maintenant, tu fais dans les bêtises. Là, c'est comme on joue. Mais est-ce que vraiment c'est ta faute? Dans le fond, est-ce que vraiment on peut vraiment t'en vouloir pour être un bon Gabonais? On ne peut pas t'en vouloir pour être un bon Gabonais. On en veut à celui qui t'a nommé. On en veut à celui qui t'a mis là, dans cette position qui te dépasse. Tu vois, on t'a mis quelque part où tu es seulement dépassé, tu ne comprends plus rien. Tu es entre les textes juridiques, tu es seulement perdu. Tu es devenu comme un diplodo. Mais ce n'est pas ta faute. Ça te dépasse. Hein, on appelle ça mauvaise orientation. Donc, un temps, on dit non, le professeur est incompétent. Mais non, le professeur n'est pas incompétent. Le professeur il ne devait même pas être là. Donc, qui t'a mis là? Oh, c'est elle qui m'a mis là. C'est Brice qui m'a mis là. Ok. Donc, Brice, quand il t'a mis là,
il voulait quoi? Que tu brilles alors que c'est pas ton domaine? Oh, je ne sais pas, Brie m'a appelé, il m'a dit on va faire... Ok, donc c'est Brie ce problème. C'est le recruteur. Hein? Voilà. C'est comme au football. Désolé, mon camion qui vient de se garer là. C'est comme au football. Hein? La sélection nationale du Gabon, c'est lui qui choisit ses joueurs. Donc, si demain il va au match et que l'équipe perd, on ne dira pas que c'est Aubameyang qui a mal joué, tel machin. Non, on dira que le coach a déconné, point barre. On dira que c'est le coach qui a choisi des joueurs qui n'était pas apte, il a pris l'attaquant, il l'a mis en défense, il a pris la défense, il l'a mis en attaque, il a pris l'ailier, il l'a mis à gauche, l'autre là-bas, il l'a mis à droite, il a embrouillé tout le monde, hein, il a fait une sélection idiote, il est parti prendre des gens qui sont amateurs, il a laissé les gens, il a fait n'importe quoi, on va en Coupe du Monde, on nous bastonne, aller-retour, on va accuser qui? Les joueurs? Sur le coup, oui, mais après, quand ça soit, on dit, bon, je suis parti prendre Firmin, qui a joué au football dans sa vie, un seul match professionnel. Tu es parti prendre un gardien qui ne sait pas faire le gardiennage. Tu es parti prendre un attaquant qui est myope. En fait, tu voulais faire quoi? Tu voulais vraiment gagner le match là. voilà, après on dit bon, on change d'entraîneur. C'est comme ça la vie, non? Je vous demande. Quand une équipe perd, au départ, on s'en prend d'abord aux joueurs. Mais quand on est sage, on va dire non, 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 non. C'est pas les joueurs. Ils ont un sélectionneur. Ils ont un coach. Pourquoi le coach a fait jouer tel? Le joueur te dit qu'il a mal au pied. Hein? Il boite. Tu jures que tu le mets avant-centre. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment gagner le match? Mais tu veux seulement t'amuser. Et le coach, ça c'est qui? Le coach, ça c'est Oligui. Non, il a fait sa sélection, qu'il assume sa sélection. Et quand l'équipe gabonaise perd, on ne va pas accuser les joueurs, on accuse l'entraîneur, on accuse le sélectionneur. C'est lui qui a joué, c'est lui qui a joué au camp, c'est lui qui a déconné. Arrêtons de vouloir sugarcoater. Il n'y a pas à vouloir, machin, à m'adouer pour dire on n'arrange rien, papa. Tu es coupable, terminé, tu es responsable. Point barre. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu as mis la barre tellement basse, comment tu peux espérer avoir des résultats tellement hauts? Tu comprends? Donc, non. Pour tous les Camerounais qui m'écoutent maintenant, le responsable est bientôt, parce qu'on donne encore une semaine, s'il n'y a pas de s'il ne se manifeste pas, le coupable, ce sera Oligui Nguema. Faites de lui ce que vous voulez. Vous êtes justifié. Il n'y a pas à chercher d'autres boucs émissaires ou bien d'autres cibles. Même l'ambassadeur que vous laissez la pauvre femme tranquille. Vous comprenez? Laissez-moi ça. Parce qu'elle est en France, là. Hein, j'ai vu les Camerounais rentrer dans l'ambassade de France. Faire le boucan là-bas, même en Suisse. Vous avez vu un être déporté par l'ambassadeur du Cameroun en France. Donc, elle a quel pouvoir? Elle a quel foutu pouvoir? Hein? Le Gabon, c'est pas le Cameroun. Donc, pourquoi même vous avez plein d'énergie sur elle? Les gens veulent faire du mal, mais il y a des pays où on ne les laisse pas faire du mal. Alors là, non. Je me rappelle à l'époque, mon frangin, dommage, qui n'est plus de ce monde. Et avant même qu'il ne meure, on ne se parlait même presque plus. Mais un jour, en plein live, sa femme m'appelle pour dire que qu'est-ce qu'il y a à Cindy. Oh voilà, Gobam, il n'y a pas de Collins qu'on a arrêté ici. Ils vont l'arrêter pourquoi? Oh, parce que l'ambassadeur du Gabon au Canada a dit que c'est un terroriste. Donc, voilà comment on va chez le frangin. On l'a arrêté, mais après on l'a relâché. Ils ont vu que c'était le mensonge, la manipulation du Gabon. Vous comprenez? C'est comme ça dans les pays normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, ce qu'elle a fait au Gabon, elle peut pas faire ça en France. Ça a commencé comment? Impossible. À la rigueur, on va te mettre en prison si tu l'as fait du mal, etc. Procès, mais on va pas te prendre comme ça en deux secondes, on te déporte parce que soi-disant un ambassadeur se plaint et puis quoi encore? C'est son foutu pays, franchement. Donc, laissez tous les gens là. Gardez votre énergie pour le véritable responsable, le véritable coupable. Si vous devez mettre la pression, c'est sur lui. Parce que si vous êtes dans la distraction, quoi, c'est l'ambassadeur, machin, lui, il va encore esquiver, il va encore éviter de venir jouer responsable. Il va encore s'échapper. Il va refuser d'assumer son rôle de leader. Pour dire qu'il va laisser le temps faire. Non. Il faut le mettre sur le fait accompli. Tu es responsable et tu es potentiellement coupable. Viens parler aux gens. C'est terminé. Viens parler aux Camerounais comme tu as parlé aux gens à Tshibanga. C'est tout. Viens parler aux Camerounais comme tu as parlé aux gens à Franceville. On sait que tu peux parler. Tu peux faire les longs discours. On sait de quoi tu es capable. Viens pas nous faire comme si tu es devenu timide tout à coup. Tu es devenu genre introverté dans ton coin, tu es timide. Tu n'es pas quelqu'un de timide. Tu parles beaucoup, tu as une longue bouche, tu es comme nous.
Donc viens parler aux Gabonais, viens parler aux Camerounais. C'est tout. Allume la caméra et la présidence parle au peuple camerounais. Ils veulent t'écouter. Ils veulent entendre ta voix. Ils veulent savoir ce que tu penses de la situation. Hein? Voilà. Donc arrêtons. Arrêtons de vouloir faire ça. Donc j'encourage Okumba à avoir le courage d'appeler Oligui sur WhatsApp et lui dire que papa, il faut arranger le problème. Au lieu de vouloir marmailler la machin, les idioties que, oh voilà, les ministres, l'anathème. Papa, l'anathème est sûr, c'est sur lui. N'est-ce pas, non? Voilà. Il a voulu être le leader d'un pays. Ça vient avec beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de mauvaises surprises. Quand on gagne un match, on célèbre. Mais quand on agit mal, on doit faire face aux conséquences et le faire de manière responsable. C'est ça le leadership. Le leadership n'est pas facile. Ce n'est pas une balade de santé ou bien un amusement. Il y a des moments de crise. Et quand il y a la crise, c'est là où on voit maintenant quel genre de leader tu es. Est-ce que tu es le genre de leader qui se cache comme un bébé quand ça chauffe? Ou bien tu es le genre de leader qui assume et qui sort de sa réserve pour venir dire aux gens, écoutez, voilà, voilà, voilà. N'est-ce pas, non? Parce que c'est bien beau de parler aux gens à Franceville. De parler aux gens à Tshibanga. Là, maintenant, l'Afrique veut t'écouter parler. Tu es où? Viens parler aux Africains. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je dis, quoi. Qu'un temps, il faut être cohérent. Il faut être consistant. Tu vois, hein? C'est là où on veut voir ton leadership. Hein? La jeunesse africaine veut t'écouter. Elle veut entendre de ta propre bouche qu'est-ce que tu penses du problème. Viens parler aux gens. Viens. On ne veut pas entendre ton ministre. On ne veut pas entendre tout. C'est fini. Le temps de ces gens est déjà passé. C'était dès les premiers instants, ils auraient pu venir. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Là, toi, viens, non, viens, viens. Viens, viens, parle aux Camerounais. Viens leur dire comment, de quelle manière ça s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Ils aimeraient pouvoir t'entendre. C'est ça, être un leader. Hein? L'affaire est déjà hors des frontières. Ce n'est pas un problème du quartier. Ce n'est pas une moindre affaire. C'est un problème qui est devenu international. N'est-ce pas, non? Donc tu dois venir communiquer, tu dois venir parler aux gens. Tu peux pas faire semblant que non, machin, il n'y a rien. Non, papa, arrête. Tu as parlé pendant une heure à Franceville, une heure. Un long discours. Viens parler au Cameroun, viens parler au Camerounais. Viens, sois un leader. Assume ton rôle. Assume. C'est une crise qui est réelle. Peut-être qu'au départ, tu ne l'as pas créée, mais tes enfants ont créé la crise. Tes enfants que tu as nommés là, tes enfants bandits têtus. Bourou. Tes bébés ont fait le désordre. Viens. Tu es le papa, viens parler. C'est tout. Tu vois un peu, non? Voilà. Quand ça chauffe, le père, il vient parler. Que je reconnais que mon fils a mal agi, mais c'est moi le papa. Voilà, voilà. Viens. Tu es le leader du CTRI, non? Ou bien qui doit venir faire ça, moi, en Fumbi? Qui doit venir réparer l'affaire, là? Qui? Je ne comprends pas. Tu vois un peu, non? Donc, il ne faut pas te cacher. Dites à Oligui de sortir et de venir parler. De venir arranger le problème. Terminé. Qui vient arranger le problème? Vous comprenez? C'est comme ça que se comporte un responsable, un leader. Il ne faut pas qu'il se cache à la présidence ou bien il est dans les bacs. Après, dans trois mois, il va ressortir, aller faire les discours à Port Gentil, aller dire aux abonnés que voilà. Non. C'est là maintenant, on veut te voir parler. On sait que tu parles. Tu n'es pas muet. On sait que tu entends, tu n'es pas sourd. On sait que tu vois, tu n'es pas aveugle. Viens. Les Camerounais veulent t'écouter parler. Voilà. Tu peux faire le discours là en français. On va traduire ça en anglais pour les anglophones. Tout le monde veut t'écouter parler. Viens parler. Faut venir. C'est toi qui es responsable de ce pays. C'est toi qui es le président. N'est-ce pas, non? Ou bien il y a un autre président. C'est toi qui es le leader, non? Donc viens jouer ton rôle de leader. Viens jouer ton rôle de leadership. Tu as vu récemment, non? Au States, parce qu'il paraît que tu aimes beaucoup les États-Unis. Mais là, aux États-Unis, lorsque Trump a esquivé la balle, comme dans les films Matrice, mais Biden est venu parler. Pourtant, ils sont des rivaux, non? Mais là, il est venu parler. C'est comme ça. Quand un problème est grave, il est venu parler pour dire que, bon, voilà, arrêtez de faire la violence. Voilà, voilà. Il est venu parler. C'est ça le rôle d'un leader. Tu vois, hein? Un problème aussi grave que ça, une tentative d'assassinat, il est obligé de venir parler. Pourtant, il n'aime pas Trump, mais c'est comme ça. Hein, ton opposant a failli être buté. L'affaire est très grave. Ça apporte dans le pays la honte, ça apporte dans le pays la confusion. Ça peut créer encore d'autres problèmes. Donc, il est venu éteindre le feu. Il est venu leur dire, écoutez, pas de violence dans ce pays. Les élections, tu votes, tu rentres chez toi. Tu choisis un candidat, que le meilleur gagne. Et il a été responsable. C'est ça le rôle d'un président. Ou bien, mais tes conseillers te disent quoi? Ou bien, oh, désolé, parce que c'est même pas de leur faute, les pauvres. Toi-même, tu es parti pour tes conseils. Mais voilà, non, les conséquences. Donc, hein, il faut pas, hein, il faut pas, il faut venir parler.
avant qu'on entende qu'un Gabonais s'est fait tabasser au Cameroun, machin, machin. Non, non, non. Viens. Le peuple camerounais veut t'entendre. Voilà. Viens communiquer dessus. Sois un leader. Moi, j'aime le brisque au Ligue qui parle fort. J'aime quand Ligue vieille parle au Gabonais. Que voilà. C'est ça que j'aime. Tu m'as déjà habitué à ça. Un président qui aime beaucoup parler, qui fait les longs discours, tu vois un peu, qui est très éloquent, qui n'a pas peur, il dit les choses, il dit viens maintenant faire ça maintenant. On t'attend. Viens parler au Camerounais. Yeke. Donc on va se quitter. Et vous tous qui m'écoutez maintenant, si les gens qu'il a pris à ses côtés n'arrivent pas à le rendre responsable, nous on va l'aider à être responsable. Et vous devez l'aider à être responsable. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Allons à la source du problème. Allons à la racine du problème. N'est-ce pas, non? Au Gabon, je répète encore, c'est lui qui a la signature des décrets. C'est lui qui est Dieu le Père. Il a le bic rouge, il signe. Donc, quiconque joue au con dans le gouvernement gabonais, au lieu de dire rien, il est coupable. Au départ, un problème arrive, il est responsable, de par sa fonction de président de la transition, et même président de la République tout court, puisque c'est ce qu'il veut être, il veut être président à tout prix. Okay. Donc, il est responsable automatiquement, dès qu'il y a un problème. Maintenant, ensuite, est-ce qu'il est coupable? C'est par rapport à comment il se comporte, par rapport à comment il agit. Un enfant était chez lui, l'avocat est venu pour dire, petit, confie-toi. L'avocat a pris l'audio, il envoie ça à un irresponsable en France. L'audio a fuité grâce aux Français qui ne veulent pas réfléchir. Maintenant, le petit, devant le juge, l'avocat dit au juge qu'écoute, le petit n'a rien fait. Demain, si le petit est condamné, on ne dira pas que c'est le juge qui a condamné, on dira que c'est lui qui est derrière tout ça. Parce qu'en deux semaines, il a le temps d'écouter l'histoire, de prendre note. Mais s'il laisse le juge faire n'importe quoi, c'est que lui-même est d'accord pour le désordre. Donc, il ne sera pas le genre de leader qui se cache derrière ces éléments quand ça ne va pas et qui vient devant les caméras prendre la gloire quand il faut prendre la gloire. Parce que demain, là, si le Gabon gagne une médaille olympique, vous n'allez pas voir le ministre des Sports aller se vanter. C'est Oli qui va venir avec le gros micro dire que non, Gabonais, on est fiers, machin, machin, parce qu'il aime ça. Il aime la gloire, mais il doit aussi assumer les conséquences. Il doit aussi venir quand il y a le feu. Il ne faut pas seulement venir quand il pleut, quand tout est beau. Viens aussi quand il y a le feu. Prendre ta part de responsabilité dans un problème. Prendre ta part de responsabilité. Assumer. Pour dire que bon, là ça ne va pas. Je viens aussi, voilà, je mets mon tri, je viens en bottier. Allez, boum, là. Oui, c'est pas ça. Voilà. Donc on veut un président qui assume les bonnes choses comme les mauvaises choses. Un président qui accepte qu'il en charge des bonnes actions comme les mauvaises actions et qui agit de manière responsable pour montrer aux gens qu'il n'est pas coupable, qu'il n'est pas dedans. Il sévit, il corrige, il rectifie, on applaudit. C'est pas bon, il vient, il communique lui-même. Terminé. Hein? Voilà. Donc, comment tu vas, Déby? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous laisser vous reposer. Et ma prière, mon souhait, c'est que le président devienne le président. Parce que pour aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore président. Je pense qu'il est encore en train de se focaliser sur les bonnes choses de la présidence. Mais sur les choses qui demandent du challenge. Les choses qui sont des problèmes de crise. C'est comme s'il veut fuir. Il aime fuir les crises. Bon, il ne veut pas être le président qui vient éteindre le feu. Il va être le président en ce moment qui vient quand on célèbre la victoire des Panthers. Là, il vient sur le stade, il est content. Mais quand maintenant, c'est des problèmes comme ça, il veut faire comme s'il n'est pas là. Ouais, c'est comme s'il veut nous faire croire qu'il est muet quand il y a des problèmes. Mais quand il n'y a pas de problème, il vient, il parle. Mais quand... Mais c'est pas ça le leadership. C'est pas ça être un leader. Et je prie vraiment qu'ils comprennent que c'est un sacrifice, c'est un travail difficile. Et comme c'est difficile, peut-être que s'il comprend ça, ça va l'amener aussi à s'entourer de personnes rigoureuses pour pouvoir gérer ce territoire. Parce que gérer un pays, c'est pas évident. C'est très difficile. Voilà. Donc, c'est mon souhait. J'espère qu'il pourra avoir le courage d'être consistant. Avoir le courage d'être celui qui vient et qui brave les dangers réels, et qui affronte les problèmes pour trouver des solutions et apporter dans le pays la stabilité et la paix. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, la déportation du frère Steve Akam au Cameroun, Oligui est responsable à 100%. Et maintenant, sa culpabilité sera révélée dans les jours à venir. Il se tait, il est coupable, tiré sur lui.
terminé. Pour le cas de mon propre petit frère, aujourd'hui, Oligui est responsable de ce qui va lui arriver. Mais si le petit est condamné, pour moi, Oligui sera coupable, point barre. Je n'ai rien à foutre qu'à la fin, si la balle autre là-bas qui est en France fait son désordre et on se rejoint dessus, est-ce que c'est ma faute? C'est moi qui ai demandé aux autorités de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Moi, j'aurais été en charge il y a longtemps, le petit déjà libéré, parce que je vois qu'il n'y a pas de dossier là. Mais on le garde et on me dit que le COBAM, ils vont faire du petit un exemple. Je dis, ils n'ont qu'à faire un exemple, puisqu'ils sont en mode exemple. Ils ont fait un exemple de Ramon Cota. Maintenant, c'est mon petit frère qui va me mettre un exemple alors que lui, il est innocent. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, c'est tranquille. Yeke, yeke. Quand c'est pas bon, on va à la racine de l'arbre. Hein? L'hypocrisie nous perd du temps. N'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao. Passez une très bonne soirée. On est ensemble.